Voilà, c'est bien parti apparemment pour Thomas Barocca et pour Alexis Adadian. Et pour l'instant, à l'accélération peut-être le pilote de Solon qui va s'emparer de la première place. Solon en tête, Thomas Barocca qui va devoir produire son effort. À la troisième place, on retrouve le Lidiel, toujours en tête Alexis Adadian. Alors que Thomas Barocca, le jump qui lui permet de passer en tête. Thomas Barocca en première position, Alexis Adadian à la deuxième place, Lidiel en troisième position. Voilà le trio qui s'est dégagé. Dernière ligne droite et la victoire qui se dessine pour Thomas Barocca après sa troisième place en prison. Thomas Barocca qui s'accompagne avec Alexis Adadian et Lidiel.